Par faute de temps, nous allons déjà aller. Exode 4, 22 dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël, qui est la fille de Jacob, c'est le fils premier-né de Dieu. Amen. Or, nous savons que Dieu aime toujours son fils premier-né. Parce que c'est elle, c'est lui qui se sacrifie pour Jacob. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dira, non, il n'est pas mort. Il dort. Parce que la terre entière va dire, Jésus a dit, il dort. Ils ne vont pas expliquer pourquoi. Mais ici à Montréal, nous avons l'esprit qui rentre dans la profondeur de Dieu. Qui va voler. Parce que cet esprit-là est volé. Amen. Amen. Pillage. Il va prier. Et nous les ramener vite à Montréal. Voilà pourquoi il est bon que tu sois ici. Pas de l'autre côté. Amen. De l'autre côté. On ne fait que répéter ce qu'on a appris. Amen. 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 Suivez, ça c'est quelque chose qui est dans le monde de l'évangile éternel aujourd'hui. Tout le monde s'est fait ministre parce qu'il a beaucoup entendu. Alors, il fait aussi des séminaires. Les trônes de Salomon. Il va répéter ce qu'il a appris. Oh. Un ministre, c'est celui qui était au conseil au commencement. Il ne répète pas l'autre. Un ministre, c'est Jean. Dieu doit venir te prendre. T'amener au ciel. Commencer à te montrer. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Amen. Amen. C'est comme ça que Jean, le prophète, a reçu l'Apocalypse. On l'a pris, on l'a monté au ciel. On a commencé à le faire visiter. Tu vois, c'est ça. Il a commencé à écrire. C'est ça un ministre. Amen. C'est-à-dire, tu vas explorer des choses qu'on te montre et tu écris. Amen. Écrire, c'est annoncer. Amen. 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 Voilà pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs dans l'évangile éternel aujourd'hui. Contredisant notre bien-aimé Jacques, qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs. Jacques n'est pas en train de dire que non. Il n'y a pas beaucoup de ministères. Non! Il faut que ce soit un ministère véridique. Amen. Que tu aies cet esprit-là. Amen. Pour savoir que tu l'es, tu dois avoir un père qui va voir que non. Lui, je lui ai appris des choses. Mais quand je l'entends parler, il m'enseigne. Voilà. C'est alors que le père va dire, si moi je ne suis pas là, écoutez-le. Voilà. Amen. Parce qu'il est en train de m'enseigner moi-même, sans contredire ce que je lui ai dit. Amen. Parce que la base, c'est ce que Amen. Moi j'ai déposé. Amen. Il a un dépôt. Mais quand il touche le dépôt, Amen. Il m'enseigne moi-même. Amen. Je dis Amen. Je mange les gibiers. Amen. Et je bénis. Amen. 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 Donc la fille de Jairus, c'est Adam. Voilà pourquoi Dieu a frappé Adam ce jour-là. Parce qu'il faut que Ève saute. Amen. Ève qui n'existait pas. Qui n'avait pas la vie. Mais à cause du sacrifice d'Adam, parce que c'était un sacrifice, fallait qu'elle elle existe. Voilà pourquoi les mains de Dieu sont venues. Ils ont fabriqué Adam. Ils vont se fabriquer Ève. C'est-à-dire les mêmes mains qui ont fabriqué Adam là-bas. Parce que Adam, c'était une terre. Amen. Que Dieu a pris par sa main. Il lui a donné la forme. Amen. Ensuite, il est rentré dedans. Pour qu'il ne soit plus vite. Amen. 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 C'est la même main qui a pris la côte. Qui a fabriqué aussi Ève. Dieu lui-même a trouvé que Ève était belle. Mais il faut qu'il y ait un autre témoignage qui vienne approuver l'œuvre de Dieu que toi tu travailles bien. Il l'amène auprès d'Adam. Adam est devenu bavard. Quand sur la terre on parle du coup de foudre et du menthe,
Le coup de foudre s'est cédé ce jour-là. Adam était déboussolé. J'ai jamais vu une créature comme ça. J'ai circulé dans tous les jardins. J'ai vu les serpents avec la femme serpent. Parce que le serpent était avec sa femme. Les serpents ne pouvaient pas engrosser Eve. Jamais. J'ai vu la gazelle avec son mari. J'ai vu la chèvre avec les boucs, avec les rodeurs. J'ai circulé. Mais là, c'était un ange. Amen. Il faut que l'homme, tu commences aussi à louer ta femme. Hein? Tu es belle, ma femme. Je t'aime. L'homme qui ne dit pas ça, tu dois venir ici, on va prier pour toi. Amen. C'est un démon. Parce que Adam l'a fait. Quel poème. Les Français nous mentent avec leurs poèmes. Cher de ma chair. Os de mes os. Ah, quel poème. Quand Eva a entendu ça, elle ne pouvait pas résister à Adam. Elle ne pouvait que rester à ses côtés. C'est ça. Faut pas prendre la femme par la force. Non, la parole. Elle est sensible à la parole. C'est pourquoi je vous ai dit que les menteurs, ils prennent beaucoup de femmes. Parce qu'ils savent parler. Je vais te donner beaucoup d'argent. Mais quand tu les regardes lui-même, la femme, il voit bien que quand tu regardes la personne, tu vois que vous avez la misère. Et quand tu me dis, je vais te donner de l'argent, ça va parler. Voilà. Vous comprenez? La misère va donner de l'argent. Jésus a dit, mes brebis, c'est-à-dire mon épouse, elle est sensible à ma voix. Pas autre chose. Seulement ma voix. Amen. 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 Vous continuez à voler. C'est ça notre évangile. L'évangile éternel dit des choses que vous n'entendrez jamais ailleurs, ni à Pierre-Fitte. Amen. Amen. Aujourd'hui, on m'a donné beaucoup de temps. Mais c'est fini. Le bien-aimé m'a donné beaucoup de temps. Je dois commencer avant, mais ça ne suffit pas. On peut rester jusqu'au soir. Donc, le pourquoi de Jésus dit que non, il était même remonté à l'égard de ces gens-là qui disaient il est mort. Quand Jésus dit que non, elle dort, il va voir, elle est morte. C'est-à-dire, quand Jésus dit que non, elle dort, ils ne peuvent pas saisir le langage. Voilà. Pour eux. Regarde, la réalité. Il est fou. Amen. Amen. Parce que ces choses, ce sont des choses de fous. Si tu n'es pas fou, tu dois me quitter. Tu dois partir. Nous avons beaucoup d'adresses à Bidou. Voilà. Tu peux partir à Pierre. Nous avons une autre adresse à Moragis. Nous en avons d'autres à la défense. Nous avons beaucoup d'adresses à te donner. Tu pars, tu t'en vas. Peut-être que tu nous donnes 100 euros. Bon, je vous donne 100 euros des offrandes ou bien des dîmes. Avec tes 100 euros, pars avec. Parce que maintenant, nous n'allons plus marcher comme nous avons marché hier. Parce que nous sommes la femme qui perd les 100 pendant 12 ans. Nous donnons la place à nos bras. Nous savons qu'il faut qu'il y ait un bras pour toucher la lumière. Amen. Pour que nous soyons sûrs. Amen. Quand les bras qui représentent les saints ministères ont touché la Bible de Jésus. La Bible dit que Jésus a senti une force les quitter. S'il n'avait pas dit ça, il y aura des problèmes avec l'homme. Parce que la semence, quand elle quitte le corps d'un homme, elle fait du bruit. L'homme doit savoir que la semence a pris le pied. La semence a commencé la marche. Parce que c'est la lumière. Amen. Amen. Une force l'a abandonné. Pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? Je t'ai abandonné parce que tu as pris le pied. Tu commences la marche. Voici la réponse du Père. La semence a pris le pied. Il doit faire un travail.
Pourquoi le père doit le lâcher? Amen. Le père doit l'abandonner. Amen. Cette semence qui est le père lui-même, qui devient le fils là-bas, il doit transiter dans la femme du père. Sans ferment. Amen. Parce qu'il n'y a que les oiseaux qui sont arrivés. Parce que j'ai vu un oiseau arriver là-bas. Amen. La marche de la semence, c'est ça dont nous sommes en train de parler. Il a signalé, non, le fils est parti. Qui a fait ça? Ça ne pouvait être qu'une femme. C'est pourquoi quand il ne cherchait qu'une femme. Lisez bien. Il s'est retourné pour voir quelle femme a fait ça. Quelle femme a fait ça? Ça ne pouvait pas être un homme. Nous, on allait déchirer la Bible. Voilà. C'est une femme. Parce que c'est elle qui a besoin de la semence pour sa guérison. Amen. 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 Aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup volé. On peut encore continuer à voler, mais le temps nous manque. Comme disait, nous comprenons notre bien-aimé Paul. Le temps nous manque. Nous allons nous lever pour la prière. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Jésus, ce n'est pas le Dieu de tous. Il est le Dieu de toi seul. Comme il était le Dieu de cette femme-là ce jour-là. Elle est venue avec détermination. Qu'aujourd'hui, à la 12e année, enfin la semence est là. Je dois la toucher. Elle est destinée à la fille de Jairus qui est Israël. Mais moi, je dois le toucher avant qu'il arrive chez la fille de Jairus. C'est par ta détermination que Dieu va intervenir dans ta vie. Le Dieu que nous sommes en train de te présenter, c'est un Dieu vivant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a que toi, à toi maintenant de le toucher. Et il va se manifester dans ta vie. Tu vas élever la voix. Tu vas lui parler maintenant. Dis-lui que je viens te toucher. Que tu te manifestes dans ma vie. Que tu te manifestes dans cette église. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus-Christ, Qui m'a touché?
Tu ne l'avais pas dit quand tu étais dans la barque. Tu ne l'avais pas dit quand tu as commencé la marche. Mais quand la semence t'a quitté, quand la semence s'est matérialisée, quand la semence a pris possession de la femme, ta bouche s'est ouverte. Tu as crié au ciel qui était resté ouvert. Celui-ci est ma semence bien-aimée. Il s'est détaché de moi pour apporter la vie à ma femme sur la terre. Parce que la femme, c'est la femme de toi, le Père, qui est le Fils à peu. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons ton nom, Seigneur, parce que tu y es venu nous secourir de la part de ton Père. Tu as dit que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du monde du ténèbre. Que les règnes du ténèbre s'arrêtent dans la vie de chaque frère ici présent et ceux qui ne sont pas venus. Que les règnes du ténèbre s'arrêtent dans la vie de toutes les sœurs ici présents et ceux qui ne sont pas venus. Et que la lumière règne maintenant. Apporte la délivrance. Apporte la bénédiction. Afin que tout ce que nous toucherons réussisse. Nous bénissons ton nom, Jésus. Parce que nous, les frères et sœurs, nous composons l'Église. Les vents se lèvent, Seigneur. Qu'il se calme. Parce que le vent, c'est toi qui le fais lever, ô Dieu d'Israël. Quand la semence prend le pied. Voilà pourquoi quand Israël s'est levé, a commencé à marcher. Tu as ordonné au vent de se lever. C'est aussi toi-même qui as calmé le vent. Quand Israël a fini de traverser la mer Rouge. Pour que Pharaon et son armée, Seigneur, ne puissent pas prendre le même chemin qu'Israël. Toi le Dieu qui avait béni Abraham, mais tu as attendu qu'il marche avec Lot. Ta bouche était restée fermée. Mais quand tu l'as séparé de Lot, ta bouche s'est ouverte. Tu as proclamé à Abraham seul, voici le pays. Dieu d'Israël, c'est toujours toi qui as dit à Israël, reste tranquille. Tu vas voir la délivrance que je vais t'apporter. Tu vas emprunter le chemin devant toi. Mais Pharaon et son armée, regarde-les pour la dernière fois. Parce que tu ne les verras plus jamais. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as présenté le chemin. Et nous l'avons emprunté. Que les vents ne nous soient pas destinés. Mais qu'il soit destiné à éradiquer Pharaon et son armée. Pharaon et son armée, ce sont les maladies, Seigneur, qui nous sévissent. Ce sont la malédiction qui nous poursuit. C'est le manque de travail, Seigneur, que nous vivons. Je mets fin à cela au nom de Jésus-Christ. Je lève le bâton de Moïse maintenant. Je lève le bâton de Moïse maintenant. Le même bâton qui s'est réveillé, qui a fait sortir le chemin du profondeur de la mer. À moins que ce ne soit toi qui m'as envoyé, Jésus, comme tu avais envoyé Moïse. Mais moi, je crois au Seigneur. C'est toi qui m'as envoyé pour ce peuple. Qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Je commande la délivrance au nom de toi, le Dieu qui m'a envoyé pour te présenter devant eux. Que je ne sois pas seulement les serviteurs qui viennent te présenter, Seigneur. Seulement en connaissance, mais que ce soit aussi à la démonstration de ta puissance. Nous ne voulons plus marcher comme hier.
Et nous voulons marcher différemment maintenant. Parce que tu nous as séparés de Lot. Parce que tu nous as séparés de Pharaon. Qu'il en soit ainsi, Jésus-Christ. Que le peuple voie et t'amène dans la vie. Afin qu'il sache que c'est toi qui nous as envoyés. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.